Julien, salut à tous, c'est Super Léo et on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de QVDP. Donc on est en bonne compagnie ce soir, on est avec Flo, vas-y salut Flo. Salut tout le monde. Et ouais, donc j'espère que vous allez aimer ce live, on est en train d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc on va aller tout de suite sur le serveur pour aller voir tout ce qui se passe. Allons-y, hein. Oh, voilà. Alors allons-y, QVDP. Comment? QVDP. Hop là, voici. Donc on va enlever ce qu'on a dans notre stuff, hein, écoutez. Hop, on va on est bien là comme ça. Donc on va juste mettre ça. Voilà. Donc d'abord, bah, vu qu'on va commencer, donc je vais vous présenter donc le studio QVDP. Donc attendez, hein, on va j'ai tout essayé de vous montrer. Donc on va se mettre comme ça avec la petite webcam. Tout ce que vous m'aimez, hein. Tu me conseilles de la mettre où la webcam? En haut à droite ou à gauche? La cam là, moi elle est bien là. Attends, que là c'est en train de switcher. Attends. Ouais, c'est en train de switcher. Là je pense que là c'est bien, ouais. Ouais, comme ça c'est bien. Ouais, c'est en bien. Mode la bon. Bon bah alors, là ici vous pouvez voir, donc c'est le un nouvel escalier. Donc ça c'est l'escalier 4000 hein, de QVDP. Hein. On a sorti l'escalier 4000, voilà. Donc là, vous pouvez voir, on entre dans le QVDP plateau de lancement. Ah, de petite entrée, hein. Je vais vous montrer en créa. Vous pouvez voir, c'est vraiment un plateau. Voilà, il n'y a rien à dire à pas sur ça, hein. C'est énorme. Voilà, donc on va rentrer. Flo nous attend. On peut aller déposer nos manteaux, nos vestes et tout. Bon, moi je n'ai pas de manteau, vu comment je suis en Dora, comme d'hab, quoi. Hop, donc on entre. Et on peut voir qu'ici c'est la fête, il y a tous les gens de QVDP, hein, tous les anciens, ceux qui sont là d'ailleurs encore maintenant. Ah, donc on peut voir qu'il y a Praco, hein, qui n'était pas là depuis un petit moment. Il y a Septuna, donc là ils sont tranquilles, hein, ils sont posés au salon. Il y a Creepy, il y a Flo toujours. Hein. Il y a Alife, Alife le barman, qui est en train de créer des petits trucs. Hein. Ah, qui c'est qui le DJ là? C'est moi. Il y a un DJ. Ah, DJ Franky, hein, comme vous connaissez. Hop, on va aller voir s'il y a des gens. Y'a personne qui se fait maquiller là? Non, y'a personne qui se fait. Tu devais pas les faire maquiller toi? Si. Bah j'y vais. Ah bah vas-y. Allez hop, ouais, va te maquiller. Hop, je vais te maquiller moi. Oh putain, c'est sympa la salle de maquillage. Maquille-moi. Bon, on va baisser un peu le son du jukebox parce que là c'est un peu fort. Allez, je te maquille. On va prendre un peu de truc pour te pomponner là. Un petit truc violet. Hop, tac tac tac. Tac tac tac. Voilà. Hop, voilà. Bon, là t'es bien là. Là t'es tranquille, là t'as mis du fond de teint, c'est bon, tout va bien. Bon, merci, allez, vas-y, c'est on y va. Bon, du fond de teint violet, hein, on est un peu des ouf, mais. Donc là, c'est quoi? Studio duplex. Donc là, il y a des trucs qui ont été enregistrés là-dedans, apparemment. Oui, c'est ça. Plein de choses à enregistrer. Très sympa, avec le fond vert et tout, comme des pros, hein. Ah, QVDP, hein. T'as vu ça? Même, tu sais. C'est bien, très très bien. Donc comme vous pouvez voir, les amis, on s'est vraiment. On a vraiment mis notre cœur à l'ouvrage, hein, bien sûr, pour tout ça. Donc on va aller continuer pour aller voir hein, ce qui reste hein. Alors hop. Régie, il y a une régie. Il y a une régie. C'est ça. Oh. D'accord. D'accord. La régie piège. Ah, c'est marrant ça. Sympa, très sympa. Donc bon, on va avoir une bonne émission alors apparemment. Oh oui, on va avoir une très bonne émission. Ah, une très bonne émission apparemment. Hop, alors on va partir. Accès plateau. Est-ce qu'on monte le plateau? On monte le plateau. Comme tu veux. Moi, allez, on va montrer le plateau. On passe par l'autre passage. On passe par le passage des spectateurs. Hein, j'y vais. Ouais, parce qu'on a même un passage pour les spectateurs. Donc, si vous voulez dans le live nous rejoindre pour venir participer au live de QVDP, demandez-nous. Il se peut que qu'on puisse vous inviter sur le serve pour être dans les coulisses et être avec nous sur le TS, ça peut être très sympa. Donc voilà. Donc là regardez, ça c'est les caméras et tout. Donc on est sur le plateau, un bon plateau là. Donc ici c'est mon siège, c'est moi qui vais présenter l'émission. Le siège de Flo, le siège de plusieurs personnes du serveur, hein, les autres personnes du serveur. Hein. Donc on a Lulumine qui sera peut-être pas là, on a Strike qui va arriver un peu tard, Praco, Mshir, Flo, Zep, Alife, Bizou, Tiji et moi-même. Hein, voilà, et un peu beaucoup ma tête quand même. Hein. Là, il y a les deux fondateurs ainsi que
que moi, qu'on a oublié. Parce que je suis presque un fondateur de QVDP. Hein. Enfin, bon, pas non plus trop, mais ça va. Donc là, c'est le petit truc pour qu'on va pouvoir activer tout à l'heure, apparemment. Oui, hop, on sera en heure. Tout à l'heure, ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure alors. Donc voilà, donc un petit truc sympa. Encore un fond vert. Encore un fond vert, exactement. Oui, ça va être. On va beaucoup l'utiliser, j'imagine. Hein. Oui, beaucoup. Voilà. Ici, bah, ça c'est une surprise. Hein. Ça va être l'entrée des autres. Ok. Bon, il y en a, il limitait Divalou, Dimalou là. Bon, voilà. Donc, ça c'était la présentation des coulisses. On se retrouve dès que l'émission commence. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. À tout à l'heure. Donc voilà, nous pouvons donc maintenant inviter Flo. Je sais que vous ne m'entendiez pas. Alors, Flo, hop, c'est avec nous. User was moved to your channel. Et salut Flo, est-ce que tu peux venir? Oui, je viendrai quand tu auras mis ton micro. J'ai mis mon micro, c'est bon, ne t'inquiète pas, tout est mis. D'accord. Il arrive comme ça en l'air et tout, tout va bien. Bon bah salut The Voyager 35, comment vas-tu? Bah bien et toi? Bien, bon bah moi aussi très très bien. Est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que tu peux te présenter un peu à nous en quelques mots? Patron, community manager, enflure. Ah c'est drôle et ça. Et puis voilà. Ouais, au moins ouais. Bon, ok merci. Donc, est-ce que tu peux faire venir Zeptuna dans le channel s'il te plaît? Absolument, je fais ça de ce pays. De ce pays. User was moved to your channel. Zeptuna. Salut. Bonjour Zeptuna. Ah, salut Zep, ça va? Ah très bien et toi? Très très bien. Donc, comme je disais à Flo, vous qui faites partie de QVDP depuis bien longtemps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les autres? Eh bien, simplement le fondateur de QVDP. Et voilà. Donc t'as rien fait d'autre, genre t'es juste le fondateur. Sinon t'as rien fait, genre t'as juste des actions en fait dans la boîte, c'est ça? Ouais c'est ça. Non, est-ce que tu, par rapport à tes qualités non. sur Minecraft, genre quelques petits trucs. Par exemple, là autour de toi, qu'est-ce qu'il y a que... Oui, bon, je suis architecte, hein, que ce soit intérieur ou dans les bâtiments ou urbaniste. Ou dans tout ce qui est plateau télé, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, bah merci Zeptuna. Maintenant, est-ce que vous pouvez inviter Emshir à la conversation? User was moved to your channel. Salut Emshir, est-ce que tu peux nous rejoindre sur le plateau? Oui. Et voilà, Emshir. Emshir, notre youtubeur canadien québécois, ouais, du serveur. Donc c'est pas le seul québécois du serveur, mais c'est le seul youtubeur en tout cas. Donc Emshir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, je pense que t'as tout dit, un youtubeur québécois. Par exemple sur Minecraft, qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce que t'aimes dans Minecraft? Un peu de tout en fait, je touche un peu à tout, de la redstone, de la déco, de l'aventure, moi je touche un peu à tout. La redstone, la déco, alors ok. Ouais, je suis pas spécialiste dans quelque chose de précis, mais je... voilà. Ouais, t'aimes bien jouer comme ça quoi, sympa. Ouais, bah non mais j'essaie de m'améliorer dans tout, mais en gros je touche à tout dans Minecraft là. Ok. Il veut de la YouTube monnaie. Ah, ouais, c'est vrai. La t'as combien d'abonnés YouTube YouTube, t'as combien d'abonnés, Emshir? Récemment, je vais aller voir. Ma 500 et quelques. 565. Bravo, Emshir. Bien. Ouais. Non, moi j'en ai peu, moi j'en ai très peu. Moi. Bon, allez. On va inviter. Qui on peut inviter? Le prochain. Pour inviter Praco. Non, pas Praco. On va inviter. On va inviter Street. Alive. Allez, invitons Alive. User was moved to your channel. Salut Alive, peux-tu nous rejoindre? Bonjour. Faut que je vienne sur le plateau. Oui, peux-tu nous rejoindre s'il te plaît? Viens dire bonjour. Bonjour. Salut Alive. Ah, c'est tête de cochon et tout. Oui, c'était des cochons magiciens. Tu peux t'asseoir, y'a qui, c'est moi à la caméra, c'est pas les autres. Hein. Donc tu peux venir t'asseoir ici. Ok. Donc salut Alive, t'es arrivé depuis quand sur QVDP?
Je suis arrivé à la fin de la dernière map. Fin de la dernière map. D'accord. Donc, vu que t'es arrivé fin de la dernière map, est-ce que tu peux nous nous dire ouais qu'est-ce que t'as fait sur le serveur. Enfin, en tout cas, quelles sont tes qualités sur Minecraft en fait que t'as pu mettre à profit sur le serveur. Petite seconde. Oui, pardon. En fait, j'avais le slide en double fil, c'était un peu compliqué. D'accord, je comprends ça. Là. Donc, ce que je fais sur Minecraft, redstone. D'accord. Et connerie, troll. Ouais, c'est pas étonnant ça. Bon, ok. Bah, merci. Merci à Life de ta présentation. J'espère que tu trolleras pas trop non plus sur le serve. Hein. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un peu de moments sympas. C'est lui qui va faire toutes les points. Ouais, non mais. Ok, donc maintenant on va inviter Strike. User was moved to your channel. Ok. Salut Strike, tu peux nous rejoindre sur le plateau? J'arrive. Il y a un trou. Oh là là là. Allo. Salut Strike. Bonsoir. Donc est-ce que tu peux t'asseoir à ta chaise? T'es dans l'angle toi, dans le coin. C'est trop célèbre. Voilà. Voilà, juste là. Ouais. Donc Strike, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, je suis un petit noob sur QVDP. Je suis là depuis. J'aurais dû venir pour l'ancienne version et maintenant je suis là grâce à The Voyager. Grâce à The Voyager. Ok. Bon. Bah, est-ce que tu peux te décrire un peu sur Minecraft, enfin, à part le fait que tu sois un peu un noob, enfin, qu'est-ce que t'aimes faire sur le jeu? Je suis principalement architecte, je connais rien à la Redstone, j'y joue depuis la version alpha. Ouais. Et puis, voilà quoi. D'accord. C'est à peu près tout ce que je suis sur Minecraft. D'accord. Donc en effet, t'es un noob, c'est bien. si tu connais rien, c'est qu'il y a un problème, mais bon. Bon, allez. Allez, on peut inviter. Non. On peut inviter maintenant Creepy. Creepy26, hein, encore un nouveau menu. User was moved. Attends, sinon, to your channel. Salut Creepy. Je vais faire. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rejoindre sur le serveur? Enfin, sur le plateau. Le plateau. Creepy, nous t'attendons. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour Creepy. Est-ce que tu peux t'installer à la place? Non, ça c'est ma tête. Là où il y a la tête de Biou. Parce que vu qu'il vient pas. Enfin, c'est ta tête normalement, mais il a changé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, okay, attends. Assieds-toi dans l'angle s'il te plaît. Ok, attends. Je vais juste venir. Je cherche la tête à Biou. Ah, mais y a pas. C'est... Mets-toi dans l'angle là. Elle est là-bas. Où est-ce que je suis, Creepy? Là où il y a Mshir. Ouais, non, je sais, j'ai vu, mais j'ai des lags en fait. Je comprends. Ah, okay. D'accord. Et tu peux couper le stream hein, si tu veux. Hein. Attends. Ouais, non, mais c'est pas comme ça. Ok, c'est bon. Ah, t'as quand même énormément de lags, hein, apparemment. Ouais. Bon, allez. Donc, Creepy, est-ce que tu peux juste te décrire un tout petit peu? Genre, dire en quelques mots qu'est-ce que t'aimes de faire sur Minecraft? J'aime bien construire. Hein. Voilà, d'accord. C'est bien. Ouais. Bon, bah, il y en a toujours besoin de constructeurs. Hein. Ouais, parce qu'à ce que j'entends, il y a beaucoup de redstoneurs. Ah, non. Bah, pas plus que ça, hein, en fait. Hein. Mais bon, ok. Donc maintenant, on va inviter notre ami Super Piggy Cam. Allez, invitez Super Piggy Cam, s'il vous plaît. User was moved to your channel. Allez, Spiggy, tu peux nous rejoindre. Yeah, j'avoue. Ouh, yeah. Est-ce que je dois enlever mon manteau ou pas? Merci, monsieur. Fais ce que tu veux, Piggy. Fais ce que tu veux et tu vas t'installer à côté de. Entre Flo et Mshir. Non, à côté de moi en fait. Yeah, à côté de ouais, à côté de Mshir. Et ouais. Ça vous fait tous ensemble. Voilà. Donc, maintenant qu'on est tous réunis, Piggy, est-ce que tu peux juste te présenter un tout petit peu, dire quelques mots sur toi, à part que t'es nul à League of Legends? Non mais ta gueule. Ouais, c'est vrai, apparemment Flo dit que c'est la vérité. Oui, non mais j'ai True fact. Ok. On est deux. Bon est deux. Bah alors donc y a quelque chose d'autre? Est-ce que vous pouvez arrêter de spammer les pommes de terre? Ça on peut. Non, je suis le plus jeune du serveur et je suis le plus noob aussi, voilà c'est tout. Ok, bon alors hop, j'ai changé 2-3 trucs. Donc ça c'est vrai apparemment encore une fois, d'après Flo. Et oui, tout à fait. C'est la vérité. Donc on se retrouve dans quelques secondes les amis. Hop là. Eh, c'est moi ou y'a pas ma tête sur leur bord? Ouais, moi aussi. Et bonjour tout le monde. Hop là. Donc on va partir sur un petit truc. Flo,
comme tu as pu le constater, on a enregistré un petit commentaire de d'un de nos partenaires, DoctoBlog. Est-ce que tu veux qu'on le montre aux gens? Absolument, c'est le but. Donc d'abord, on va commencer par ça, alors allons-y, on va vous montrer ça tout de suite. Ici The Voyager pour le Voyager Talk Show, et aujourd'hui je suis avec Mousse Terryland. Bonjour Mousse Terryland. Bonjour. Alors, Mousse Terryland qui est un membre de l'Octoblog, qui est un blog très sympa, et de toute façon, il va, le présenter tout simplement à vous, chers viewers. Vas-y, je te laisse la parole. Donc voilà, je m'appelle Mousterier, enfin j'ai un vrai prénom quand même parce que je m'appelle pas Mousterier IRL. Et donc je suis rédacteur à l'Octoblog avec d'autres membres du staff. Donc il y a des dessinateurs, le créateur et d'autres rédacteurs, même si en ce moment on n'est pas beaucoup. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je pourrais lire? Ok, bah, qu'est-ce que tu fais comme type de... Enfin, qu'est-ce que vous proposez comme type d'article sur l'Octoblog? Alors, il y a vraiment un peu de tout. Alors, il y a des actus niveau cinéma et série. Donc ça, c'est plus Alpha et Tchèque qui s'en occupent. Moi, je suis nulle dans ça. Après, il y a la catégorie jeux vidéo dont je m'occupe. Ensuite, il y a aussi la catégorie interview, dont je m'occupe, les découvertes, et aussi, ça c'est autre chose, mais les gens qui nous suivent, les sponsors, etc. D'accord, ok, d'accord. Est-ce que, par exemple, tu as quelque chose à nous proposer, comme, je sais pas, des futures catégories d'articles, ou futures... Alors, on a un projet, alors c'est pas vraiment par rapport aux articles, mais ça se rapporte à l'Octoblog. C'est en fait, on va créer un Tipeee, sur le site Tipeee, ce qui nous permettrait en fait de nous permettre de payer des graphistes, des choses beaucoup plus intéressantes, mais bien sûr avec des contreparties pour les gens qui payent. Ça va de 1 à 100 euros et même un peu plus pour ceux qui veulent. D'accord. Et comme catégorie d'articles, en fait, ça se fait vraiment à l'instinct. Quand il y a un nouvel article mais qu'il n'y a aucune catégorie, soit on le met dans le sujet, soit on crée une catégorie spécifique à ça. Voilà. D'accord, ok. D'accord, ça marche. Bon, bah merci. Donc, les gens, vous avez bien compris, allez sur l'Octoblog. Donc, c'est octo-blog.com. Ce sera tout sur la vidéo. De toute façon, vous aurez un joli lien qui va s'apparaître sur l'écran qui est devant vous. Et puis, je te remercie, Mousse Terryland, d'être venu présenter l'Octoblog. De rien, ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, on se retrouve pour la suite du live et la suite de QVDP. Et voilà, on se retrouve donc après un petit moment là avec tout le monde dans le channel. Salut tout le monde, on se retrouve tous ensemble. Hop là. Donc, comme vous avez pu le remarquer, est-ce que vous avez aimé la petite vidéo? Ouais. Sympa. J'ai pas tout compris ce que c'était, mais oui. Alors un de nos partenaires, donc le Octoblog, je vous conseille d'aller voir leur site, très important. Ils font des petits articles très souvent. Donc celui qu'on a interrogé, c'est le rédacteur en chef. Il y en a qu'un. Donc, c'est un des rédacteurs. C'est un des rédacteurs, parce que le rédacteur en chef, c'est vrai que c'est le créateur du blog, pardon. Mais ce rédacteur là est celui le plus actif sur le forum, comme vous. Si vous allez voir, vous verrez, dans tout ce qui est actu, il poste beaucoup de trucs, il poste au moins 2 articles par semaine, ce qui est très notable dans un site de blog. Donc voilà, un abatteur surtout. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais. On va continuer la cérémonie. Et quelqu'un nous a rejoint, Tigi, donc qui n'est pas encore sur le TeamSpeak. Yes. Il arrive. Donc on va pouvoir l'interroger. Bonsoir. Donc Tigi, ça va? Non. Apparemment, ça ne va pas pour TJ. Non, TJ. Super. TJ, salut. TJ, est-ce que tu peux te présenter pour les viewers, toi? Pour les viewers, c'est simple. Je suis bleu, j'ai 3 yeux. Vous risquez pas de me rater. Je suis un YouTuber nul, caca. Qu'il faut aller voir la chaîne. C'est YouTube.com. Oui, voilà. Le lait, c'est bon pour la vie. Voyageur a les yeux verts. Voilà, c'est bon.
Voilà, bon bah, ouais, au moins, c'est très à la direct, hein, voilà. Donc bon, d'accord pour tout ça. Est-ce que ça vous dit de repartir sur un historique de QVDP de ce qui s'est passé ou pas? Enfin, ouais, de toute façon, c'est pas une question, c'est une obligation. C'est pas une question, c'est une obligation de toute façon, les gars. Hop, donc pour ça, vous savez ce qu'on va faire, c'est pas être compliqué. Hop. Non mais par contre, si on veut faire une histoire, je vais faire du placement de produit. Et voilà, donc asseyez-vous tous à vos places s'il vous plaît. Attendez, je vais juste faire du placement de produit. Donc, comme vous pouvez voir derrière, hein, comme vous pouvez regarder sur le live si c'est un qui regarde, il s'agit, enfin il y a donc un petit film sur ce qui s'est passé sur QVDP depuis ces 11 derniers mois, enfin ces 12 derniers mois limite, mais bon là, il y a que juste 11 derniers mois vu qu'il y a que les clips de M'Shir et de moi. Donc Game Shear s'approche vraiment de la télé, tu vas te faire mal aux yeux. Hein. Est-ce que tu veux que je te faire mal aux yeux? Là t'es en train de regarder d'ailleurs ton stream à toi, donc enfin tes épisodes à toi, c'est ça qui est plutôt drôle. Est-ce que Flo tu peux nous faire un petit historique de ce qui s'est passé sur QVDP depuis le 22 octobre, je crois que c'est ça, ouais. 22 octobre 2013. Absolument. Alors, d'abord, nous avons débuté le serveur QVDP Kill des Patates avec Zeptuna. C'était une bêta fermée, donc on a commencé le 22 octobre sur 2013. C'était encore les vacances à l'époque, oh oui. Et donc qui était le créateur juste? Qui était le fondateur? Le créateur, c'était Zeptuna. Oui. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez pu voir dans le début de la petite vidéo hein, que c'était en effet. Zep qui me présentait le serveur au tout début. Flo je ne le connaissais pas d'ailleurs. Flo pour moi je m'y attendais pas plus que ça avec lui au tout début. J'étais plus du côté de Zep et au final bah j'ai appris à les aimer tous les deux, donc voilà. C'était le petit moment personnel, voilà. Bon allez vas-y, tu peux continuer Flo. Donc voilà, donc du coup au début Zep m'a appelé pour rejoindre son petit serveur. Donc à l'époque c'était encore un serveur 4 slots. On avait une petite map sympa, on s'était bien amusé dessus entre potes. Et puis le 9 novembre, donc une semaine plus tard, on a décidé d'ouvrir le serveur aux gens. Donc on a un petit peu investi dans un vrai serveur. Et puis on a proposé sur Minecraft FR sur le forum de faire des candidatures tout simplement. Puis au fur et à mesure des jours, donc on a plein de gens qui sont venus, donc toi, Léo, M'Shir, puis plein d'autres joueurs à l'époque de QVDP première saison. Ouais. On a eu deux parties dans cette saison, puisqu'on va dire à la moitié de la saison, on avait décidé de refaire tout le spawn chunk. Donc je sais pas si tu t'en souviens toi, Léo. Ah oui. Moi je me rappelle. Ouais. Ouais, on avait vraiment fait. Alors si je peux, je vais dire un peu ce qui s'est passé. Donc à ce moment-là, j'avais déjà fait mes 12 premiers épisodes donc de LP que vous avez pu voir. J'en avais tourné 15 en tout. Malheureusement, je les ai pas sortis parce que c'était des fichiers corrompus et en plus j'avais plus trop le temps à cause du bac. Et en fait, voilà, donc le 13e épisode c'était sur l'Ender Dragon. Le 14e épisode c'était sur l'aménagement de l'End. Et le 15ème c'était sur l'aménagement du spawn chunk en fait, voilà. Donc on avait vraiment commencé à faire de très belles choses avec Praco parce que c'était notre projet à nous deux. Et en fait on a commencé à voir que la map était un peu corrompue. Et donc bah ça a corrompu aussi notre projet. Donc on a décidé de changer de map contre mon gré. Donc ça c'est pas grave. La décision a été prise à pas à l'unanimité, mais bon, la majorité était pour changer de map, donc ça a été fait. Je vais dire à tout le monde, hein, j'ai un peu arrêté les vidéos, pas parce que je n'aimais pas le nouveau QVDP, même si bon, les deux premières semaines j'ai un peu boycotté, mais bon, après j'ai arrêté. Mais c'est surtout qu'après, enfin, c'était le bac, je pouvais pas le rater, voilà. J'avais besoin d'arrêter un peu de jouer à Minecraft, et ça m'a fait du bien parce que maintenant je reviens avec beaucoup de ressources. Et c'est 6 mois de pause, presque 6 mois. Ouais, bah oui, 6 mois de pause de Minecraft, ça m'a. Bah, c'est bien. Ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, bah, on va pouvoir faire de la qualité, voilà. Donc, après ça, donc je laisse Alive, Strike, Creepy,
Super Piggy Cam, Flo, TJ, expliquer donc ce qui s'est passé dans la deuxième, enfin la entre guillemets deuxième saison, vu qu'elle a pas duré non plus très très longtemps. La 1.5. La 1.5, comme j'ai dit à Monsieur Super Piggy Cam. Donc vas-y, je vous laisse expliquer ce qui s'est passé. Bah, j'ai commencé juste par dire donc pourquoi on avait changé cette map. Donc Léo a un petit peu expliqué. Donc on avait changé ça en avril. Et puis on avait plein de nouveaux joueurs. On avait fait une deuxième session de recrutement. Et on a eu plein de monde. Donc on a eu TJ. On a eu Biu qui est tout là-bas là. Parce que YOLO exactement. On a eu qui on a eu d'autres. Je ne sais plus qui on a eu. On a eu plein de monde de nouveau. On a eu Alive, on a eu Kangler, on a eu Choupi, etc., etc. Et puis, bah voilà, du coup, la saison 1.5 était bien partie. Donc j'ai laissé ceux qui veulent prendre la parole sur ce qui s'est passé sur cette saison. Bah, je vous laisse parler. Alors, on va juste faire une toute petite pause juste avant. Et après, on continue. Vous inquiétez pas, c'est juste une petite pause technique. On se retrouve dès que possible. Eh bien, on se retrouve tout le monde. Donc maintenant, on est prêt. Je vais vous faire la petite intro de QVDP et après, on va commencer tout de suite. Allez, on se retrouve juste après. Et voilà tout le monde. Nous sommes donc sur QVDP 2.0, la map dont je vous parlais, et nous sommes en compagnie de tous les autres joueurs. Donc TJ, Zeptuna, Flo, Mshir, ouais. Piggy, enfin tout le monde. Allez, vous pouvez parler les gens, c'est bon. Ouais, donc voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, je vais aller montrer à mes viewers. Je vais aller vous montrer. Donc, on va peut-être remettre le jour. Hop. Piggy, alors, je vais aller vous montrer qui a là bien la border. Regardez, la world border est là. La belle, la magnifique. La belle. Voilà, voilà. Voilà celle qui va nous faire chier pendant 2 mois. Ouais, ouais, enfin, c'est clair. On va suer comme oui, pour l'éliminer. Ah oui, je fais un petit paysage des autres en train de couper du bois. Je reviens. En 2 secondes, j'ai 2 petits trucs à faire. Il va faire un live. Attends, c'est quoi ce truc? Ah d'accord, ça va rapport. Oh putain, en fait, je tiens à dire parce que j'ai fait quelques calculs, le premier mieux, mais ça on l'aura dans 4 mois. Florian. Oui, la il va faire nuit, faudrait peut-être arranger ça parce que... Mais il fait nuit, c'est pas grave. On va tous mourir. Allez, Sparta. On y va à la Sparta, moi je me fais une... Depuis le temps que j'attendais ce moment quand même. Ah, attention, les zombies arrivent, défendez-vous Sparta les gens. On va tous mourir. Je suis le premier à m'avoir fait une épée, je tue les pigous, on aura de la bouffe. J'ai le premier à mourir. Aïe. Eh, je fais un scoreboard. Pigou, tu m'as frappé. Ouais, allez, vas-y. Désolé. Un scoreboard de mort. Les gens, tous ensemble là. Y'a pas de je suis tout seul et tout là. On commence tous ensemble. Un scoreboard. Non, on sait. Tous ensemble. Allez, tous ensemble. Ouais. On est capable. Je propose qu'il y en ait quelques-uns qui défendent pendant que les autres font des outils. Ah bah attends, moi je vais chercher de la bouffe. Bon, voilà, c'est bon. Je suis des hop maintenant. Flo. Ceux qui ont déjà des hop, épées, donc on va commencer à jouer. On est les gardes du corps. Vous êtes les gardes du corps. J'ai une épée aussi. Attendez. Donc, on avait une idée avec Flo. Je sais pas si vous voulez nous suivre. Voilà. L'objectif ce serait que notre ville, donc principale, dans laquelle on va être tous ensemble. Soit juste là en haut, vas-y Flo, tu peux leur montrer avec moi. La ville. Regardez, montez avec moi en haut. Allez, escalade. Ceux qui veulent voir. Escaladez. J'arrive. Attends, y'a un squelette. Voilà. Donc venez, montez en haut, tous ceux qui veulent voir. Zeb, dépêche-toi. Come on. Le creeper qui vient d'exploser. Allons-y. Attention les gens, creeper arrive. J'y dépêche-toi. J'arrive. Et voilà. Donc la ville, il y a un monstre là, Flo. J'aurais la chanson du Hobbit dans la tête. Donc venez ici, ce serait en bas ici, voilà. Ouais, bah. Cinéma. La ville est ici, c'est ça? Ouais. Ouais. Le centre, ouais. Oh, sa maman. D'accord.
La classe. Moi je vais chercher de la bouffe. Bon, de la bouffe. Donc voilà, en gros, je vous explique les gens. La ville, elle serait ici. Et en fait, de tous les côtés de la montagne, en fait là, il y a juste, vous voyez là, donc la montagne en face. Les gens, vous êtes où? Mais en fait, les gars, j'ai déjà un arc. En fait, il y a moyen de creuser beaucoup de galeries pour faire une très grosse ville. Ouais. Vous verrez. Vous mourir là, vous êtes où? Ah, vous êtes là. Ouais, mais il y a trop de monstres. Il y aurait pas quelqu'un qui a des flèches. J'ai l'arc, il y a pas de flèches. Et on est en hard les gens. Ouais. Oh là là. Genre on meurt, VDP c'est fini quoi. Ah bah tout bad pour moi. Ah yeah. Eh, tu le M'Shir. Sporto. On met un scoreboard. Il y a pas quelqu'un qui a des flèches. Ouais. Ok. Merde. Faudrait l'actualiser le scoreboard. Faudrait que tu me passes tes flèches, j'ai un arc. Attendez, okay. Oh, y'a un joker. Moi, y'a une chose que je peux pas faire, mais il reste juste 2000 dans les cœurs, alors je crève si on me touche. Cool. Bah, Ico, comme quelqu'un... voler ma boule d'XP là, je crois que j'ai pas vu. Et Creepy, défends-moi s'il te plaît, j'ai plus de peur quasiment. Attends, j'arrive. Oh, le Creeper! Oh putain, y'a un Creeper derrière toi! Putain! Et je vais bientôt mourir. Oh putain! Dire qu'on est en hard en plus. Mais oui, mais les gars, de toute façon. Mais de toute façon, heureusement qu'on est en hard. Heureusement qu'on est en hard. Attention! Il faut qu'on survive au hard. Allez, donc maintenant, ce qu'on va faire. Super physique, quand même, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors, qu'est-ce qu'on peut. Vous trouver des moutons, gardez-les. Ah, bah j'ai des moutons. Ah, oui, par contre. Pour moi, je reboot mon ordi et je reviens. Ok, hop là. Vous êtes où les gens en fait? Aïe! M'Shir! Strike, ça serait qu'il y a de la cobble à passer. Cobble. Non, mais moi j'ai de la terre. Moi je vais faire des tables. Attention, creeper! Personne a de la cobble. Attendez, moi quelqu'un peut venir me tuer. Parce qu'en fait il m'a juste 2000 dans les cœurs, alors frappez-moi. Et... Vous savez quoi? Je vais le faire moi-même. Fais-moi le bois, non? Je fais des terres. Non, la première mort, c'est pas moi le premier! Bravo Piggy. Donc il ne mentait pas lorsqu'il a dit qu'il était noob, il ne mentait pas. Voilà, vous avez vu. Moi il me reste demi-cœur et j'ai ramené aucun ami. Hein. Voilà, c'est un petit cœur plus là. Bon. Hop là. Il y aura de la sueur, du sang et de la pluie. Oh oui. Du sperme aussi, parce qu'on est comme ça. C'est très bien. Parce que là c'est zéro bouffe, mais j'ai zéro bouffe. Hop là. J'ai mis un arc dans le. Non, mais regardez, il y a toute une armée qui nous encercle là. C'est pas possible. Mais attends, on a plus de temps qui. Bon, les gens, je vous propose de faire une grotte. Oh putain. Moi je suis Léo. 10. On touche pas au couvert. Enfin, c'est l'enfer. Une pioche. Vite. Oh pardon. Merci les gars. J'ai une pioche. Attends, j'ai je me bats manu moi pour ma part. On se fait une grotte. Ouais, parce que moi. Et la loi, c'est moi. Bon, moi je vais lui inviter histoire de faire l'intro, je reviens. Attendez, je prends la bouche. Il y a Mushir derrière toi, Creeper, fais gaffe. Bonjour monsieur Praco. Comment allez-vous? Bonjour internet. Bonjour internet. Allez hop. Praco, fais gaffe. Ah. Oh, ça. Oh, fuck off. Non, attends. Doc. Aïe. Oh. Attendez. J'ai un cœur, je vais mourir. Attends, j'arrive avec des torches. Genre, on va faire genre Holy Cube voilà. Version. Oh, mon épée en bois! Bonjour, au revoir! J'ai une table de craft. Oh, aïe! Y'a du veil et du mur. Ouais! M'Shir, tu pourrais me passer un peu de cobble, s'il te plaît? Attendez, moi je vais aller chercher. Vite à la classe! Merci. Je vais chercher. Ah, le... Attends, j'ai pas reconnu la voix, mais sache toi qui m'as dit que j'ai la classe. Merci. il a dû se tromper, il voulait pas parler de toi en fait, je pense. J'ai le fer. Mais inquiétez-vous pas, je prends le fer, mais on le partage. Hein. J'ai un cœur. Non, c'est tout à moi. Non, M'Shir, je vais te donner une. Bon, c'est bien de miner du fer, mais pardon, pas. Oh, pardon. Ouais, okay, attendez, j'ai le fer. J'ai le fer. Je dis, en train de t'exploser un record. Allez hop. Attendez. Ouais. Oui, mettez du bois, j'ai des bûches. Ouais, mais attendez, le fer en dos. On va se faire du charbon. Il y a un coffre qui traîne en haut. Quelqu'un a une flèche à passer. J'ai mis un arc dans le coffre. Non, mais people ici, bonjour. Joined your channel. Alors, bon. Faudrait agrandir un peu le. Allez, on fait comme dedans Blanche-Neige, on chante une chanson. Barre-toi. Assez-toi. Ah là, il faudrait de prendre mes trucs à moi là. Mais. Il voulait le donner à tout le monde, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Héros. David.
Oh putain, mais t'es déjà 4 morts toi. Et puis qui ça oh, c'est du spawn kill. C'est pas possible, c'est du spawn kill à cette stade là. Le voilà. Quelqu'un a une pioche? Le scoreboard, on met pas au-dessus de nos têtes aussi. Fracto. Voilà, ouais, je peux. C'est le truc où Crin. Attends, mais non, c'est pas mais qu'est-ce que quelqu'un me l'a piqué, punaise. Eh, quelqu'un a piqué ma pioche. Et où? Viens, gagne une grotte. Qui a pillé la. Ouais, c'était les torches. J'arrive, je sais pas qu'elle a ma pioche. Désolé, moi je vais. Moi je me suis weed. Désolé. Par contre, si tu veux, j'ai un stick et. C'est bon, les gars. Alors, désolé, moi je me suis weed. Je me oh yeah. Adieu. Adieu, monde cruel. Alors, je vais Piggy qui est déjà à 5. Oui. Dis-moi, je fais des squelettes, vas-y. Tire. Hop là. Hop. Viens dans mon channel. Alors. Ok, alors. Ah, Creepy, bienvenue dans le club, l'ami. Ah, mais non, je sais. Ouais. Attends, ben moi je sais parce que je voulais me tuer déjà depuis le début. Attendez, si vous voyez du stuff, je le prends. Je le prends. Ouch. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi tout ce bordel. Ouch. Ok, ça va les tables de craft. On a assez de tables de craft. Ouch. Je comprends pas, c'est quand même bien aussi. Ou pas. Ouh, mais ah, mais de la cour d'or, je veux chercher de la ouch. Je vais chercher de la bouffe avec MC. Ouch, damn. Ok, alors, tac. Bon, on va explorer un petit peu tout le tour. Alors, bon, tu sais, cramé, bande de bâtards. Eh, mais attendez, attendez, y'a pas de. Creepy, branche ton micro. Hein? Bon, on va où? Attends, mais on est pas en hard là. C'est quand si la World Border. Ah, y'a des cochons. On est pas en hard, on est en. Tuez des cochons, s'il vous plaît. Oh, les gars, on est en moyen, on est pas en hard, hein. Voilà. Bah, mets-toi en hard. Attends, moi j'ai de la boue. Attends, je mets le fer dedans le coffre. De quoi, mets-toi en hard? Vas-y, Léo, booste la difficulté, je veux mourir encore. Bah ouais, mais non, mais normalement c'est censé être en. Ah, y'a rien d'autre bas. Excuse-moi. Alors, y'a moyen de me faire manger là parce que j'ai plus qu'un cœur et. Attends, je vais cuire de la bouffe. Moi j'ai, si tu veux, j'ai 4 bah, cœurs. Mort. Sauf que le problème c'est que j'ai 0 de bouffe. Non mais, écoutez, moi j'ai nous sommes un peu deux. Allez, allez, on bouge, on bouge, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge. Il va m'en falloir un deuxième, MCR. Ah, d'accord. Chez moi je suis en ici. Je te donne tout ça. Voilà. Je pense que c'est déclaré. C'est mon stuff, c'est mon stuff qui est au spawn, hein, donc s'il vous plaît ne le prenez pas, merci. Un t-shirt. Oui, super. Pigou. Oui, Pigou. Hein, vous tous là. C'est monté sur nous. Allez mon petit Pigou. Hein. Alors Pigou, oui, j'ai de la bouffe pour ceux-là qui en ont besoin, j'ai parti tout le monde. Non mais moi en fait si tu veux, je rush dans le fait si tu veux. la Eh les gars, et qu'est-ce qui est venu prendre? Les moutons, ils donnent du mouton maintenant. Et qu'est-ce qui est venu prendre mon stuff là? Oh oh, mon stuff il est où là? Les moutons, les moutons. J'ai que des os. J'ai des os. Les moutons, tu pas les moutons. Merde. Excuse-moi, je t'avais pas entendu. Oh Tigi, tout ça là, qui est-ce qui a récupéré mes stuff là? Il y en a dans un coffre. Moi j'ai que des os moi. J'ai que des trucs. Vas-y, balance tes os s'il te plaît. Non, c'était des trucs en fer là. Ça devient bleu, t'es mort. Vas-y, donne. Merci. Non mais attends, j'ai fait masse truc. J'avais plein de charbon, j'avais plein de fer. Les gens, y en a un, il est venu, il a trié mon stuff là. Qu'est-ce qu'il a trié mon stuff? Pourquoi il y a une ligne comme ça? Les gars, qu'est-ce qu'il a trié mon stuff? Pourquoi il y a une limite de map? Bah c'est le principe. C'est le principe de la grosse à chaque jour. Oh bonjour, qu'est-ce qu'il a trié mon stuff? T'avais 6 charbons, c'est ça? Non, j'en avais au moins une douzaine de charbons, j'avais du plein de fer et j'avais aussi une pioche, deux pioches en pierre, une pioche en. Une épée en pierre et tout ça quoi. Non, mais on n'est pas supposé être. Et il y a quelqu'un qui les a donc. 24.9. Oui, non, mais oui, mais c'est que j'en ai besoin pour continuer là. C'est bien ça le problème. Je pique juste la cobaye pour en faire un stuff. Parce que j'aimerais bien avoir. Je m'en fous du charbon et tout, mais c'est juste le tout ce qui est. Tout ce qui est outils là. Hein. Les outils là, vous me les avez pas. Non, mais c'est un coffre là. C'est un coffre. Ouais, mais c'est pas du stuff. Là, y a ça. Une pioche. Bon, on va arriver avec plein de cochons nous bientôt. Ouais. Moi j'ai plus qu'un cœur. Moi j'ai fait alors, un peu. Alors moi j'opte que pour quand on aura assez de fer pour tout le monde, bien on se oh, yes, le prend. Et on se mais le fait. Mais faudrait faire des champs de patates de blé surtout parce que. Moi je suis en train d'en faire. Alors ouais, faudrait déjà, je voudrais rassembler tout le monde sérieusement pour que tout le monde. Je pars par là, prends une autre direction parce que on a tendance. Parce que c'est ma direction. Mais traverse pas. Mais là. Non, Tigi. Alors moi je propose que certaines personnes se qualifient dans quelque chose hein. Moi je me qualifie surtout dans le minage. Moi c'est ce que je dis dans la construction. Moi je fais l'agriculteur. En gros t'es qualifié à faire un job qui ne. Moi je fais le bourrinage. Ouais bah non mais je fais du danger hein. Si je me mets dans les mines c'est sûr que je vais trouver des mineshafts. Non. Moi je vais m'occuper de la récolte de bouffe animalière.
Alors attends, moi je vais juste faire cuire le fer qu'on récupère. Bah c'est ce qu'on est parti faire avec Emshir, putain mais... Ouais bah moi j'en ai récupéré quelques-uns de... quelques fers. Arrêtez là, j'ai trop de fer, bordel. Bah pas de fer, il faut trop en avoir de fer. C'est possible d'avoir trop de fer. Ouais, c'est possible. Non mais trop de fer dans deux phrases en fait. Trop de fer, trop de fer. Le fer, le métal. C'est métal. Tu regardes un peu trop Bob Lennon. Non, moi je ne regarde pas que Bob Lennon. Non, c'est pas vrai, mais arrête, non, c'est pas vrai. Non mais c'est parce que c'est ça, vrai, moi je l'écoute, pas mais j'ai entendu parler de toujours de lui, de ça. Mettons là pour amener avec le blé si vous voulez. Moi je faudrait les accoupler. Bah Figgy, tu rentre veux le blé avec plein de Ouais bah tu vois la forêt où est-ce qu'on était à la base de la forêt de pin. Ouais. Alors Ok j'arrive. Je les ai mais on va finir juste les cochons. Il reste des cochons. Tu es plus de cochons là. Non mais il y a des vaches au pire, mec, il y a des vaches et des moutons. Alors les cochons. Bon. Ouais bah il faut faire de l'élevage justement. Faites-vous des vaches et des cochons. Des moutons. Moi je m'en mêle. Des vaches et des moutons. Gigi, t'as besoin de graines? Ouais vas-y, fais péter. Ah ouais mais Biggy, j'aime tes 7 morts. Merci. Mais quoi? Qui s'occupe de quoi? Tes 7 morts. Oh merci, t'es trop gentil MC. Moi je fais l'agriculture. Ok ben moi c'est par où là? Ah merde. Qui veut m'aider dans le minage? Il veut des patates. Attends, j'en ai jure, non. Non, ça ne se ne fait pas. Cela c'est qui fait. Qui fait le fermier? Alors, c'est qui? C'est moi. Alors, c'est Tigi. C'est Tigi. Attends, Tigi. Bonjour. Tigi. Ah, il y a des lames. Tigi, si tu vas vers la forêt de pin, tu continues derrière. Il y a un creux entre deux montagnes. Il y a des vaches et des moutons. Qui a du charbon? Qui a besoin d'aide pour le minage? Oui, ben moi c'est moi. Attends, je vais juste prendre le bois. Fais-le mieux, Léo, s'il te plaît. Attends, je prends déjà des planches. Voilà, la revivance. Là. Ça fait bien d'avoir la virelle. Ça arrive. Tigi, tu m'as entendu pour les. Oui, je t'ai entendu, ouais. Il va falloir juste que tu me guides en fait. Sinon, je te file un tweet et puis t'y vas. Ouais, mais non, justement, en fait. C'est la live. Mais tu vois où est-ce qu'on va spawner? Il y a une forêt de pin à côté. Forêt de pin. Ah oui d'accord, pour la forêt de pin. Voilà, et derrière t'as la montagne. Ok. Et derrière y'a des machines de coton. Déjà, d'accord. Si arrêtez d'utiliser le charbon de lac de lave pour qu'est-ce qu'il fait de l'écho là? Vraiment. Ouais, okay. Alors, qui veut se proposer pour le minage? Y'a déjà moi. Je suis avec toi. Enfin, je suis en dessous. Okay. Moi j'ai besoin de bouffe déjà. Attends, qui ouais, bah, là, il faudrait avoir des os en fait. Qui est pour le minage? Y'a moi. Y'a moi aussi. Super Léo. Ah il pleut merde. Ok super Léo. Le mec est en train de tout marquer. Bah propose déjà tout ce qu'il y a à faire. Bah alors il y a le minage, il y a Moura et Super Léo si quelqu'un d'autre veut venir. Strike. Bon moi de toute façon moi je mine et une fois que j'en ai un peu marre je vais aller juste commencer la ville avec Flo okay, j'imagine alors... en architecture on va commencer à la ouais, ville. Mais là, je ah ouais mais l'architecture hein. L'architecture ça c'est pour tout le monde, c'est sûr qu'on va faire des maisons. Alors non, mais pour, il faudrait que tous ceux qui ont des os viennent en haut pour donner la je pensais à un truc, vous voulez pas faire autre chose comme moderne comme quoi? Vous voulez pas faire autre chose que moderne? Ah mais bien sûr que si. Moi j'ai non tu mets des balles. Non, maintenant on a dit chacun son style. Ouais, chacun son style. Ouais, mais voilà, ils ont rien suivi ces gars-là. Mais quand j'ai Maxo, on va finir comme ça. Désolé, mais il y en a qui bossent, il y en a qui ont pas le temps de jouer à Minecraft. Allez, allez. Les grands alors, pas plu. Alors, qui se propose pour l'agriculture? Moi, je vais faire l'agriculture au début avec Tigi, mais j'ai vraiment besoin de bouffe sinon je vais mourir. Ouais, mais il y en a plein. J'ai plein de porcs à cuire. Tigi. Okay, et quand est-ce qu'ils vont, y vont et quand est-ce qu'ils vont faire un truc pour que on puisse purifier juste la bouffe de la Rotten Flesh? Ouais, ça rapporte autant de bouffe mais au moins la purifie. Tigi est censé aller chercher les vaches que je vais Creepy 26 okay. Ouais, et Super Léo. Alors pour l'instant si vous voulez pour vous proposer pour une job cassez la pancarte et rajoutez votre nom. Le travail. Okay. On pourra faire un job. On pourra faire un comment dire alors, j'ai un temple des compétences. Je fais agréable Creepy, pour Creepy, Creepy, si tu peux juste me rajouter, je suis en train de chercher de la source de bouffe animalière. Moi je fais pour agriculture pour l'instant. Tu fais pour le ménage Est-ce qu'il y a un. Attendez, je casse tout. Alors proposez-moi les jobs que certains veulent faire. Bah, que alors, moi pour le moment je fais architecture et après je fais agriculture et après je ferai architecture avec Léo. Est-ce que Creeper c'est un métier viable? Ok, alors on a à l'agriculture, l'architecture et le minage. Alors moi je Zep et Flo et Léo, c'est ça? Ouais. Pour architecture. Alors c'est bon, mais tout le monde en fait.
Au pire, regardez, je vais mettre les pancartes et je vais construire des coffres. Et quand on pourra faire des livres pour écrire dedans, vous mettrez vos propositions ou vos candidatures. C'est bon? D'accord. Les candidatures, les sous-candidatures dans un serveur. Le gars, il s'y trouve trop. Allez, le gars, candidature ou intégral. Ouais, allez. Allez, je suis devenu un politicien. Pour le moment, je m'occupe surtout des fours, des coffres. Ouais, ok, bah pour le minage, je suis sûr. Pour la je suis surtout en train de chercher de l'eau. Arrête de prendre du charbon parce qu'on a un lac de lave, tu peux prendre comme source d'énergie de la lave. Donc... Bah, apportez-moi. On voit le mec qui a joué à FTB. Ouais, voilà. Ouais, mais. Ça non, mais Mshir, apporte-moi au pire de la lave et tout si tu veux. Ouais, mais ça prend des seaux, hein. Puis. Bah, oui, on a assez de fer pour ça. T'as pas juste on en a marre de la sodomie, quoi. Non, mais on a assez de charbon pour cuire du fer. Qui est level quoi? Moi, je suis level 2. Celui qui a l'origine de la blague sur la sodomie. C'était. Moi, je trouve que c'était petit comme sa bite. Oh, ouais, mais faire un auto comme ça vite. Ah, les gars, les conversations ouais, hyper c'est... construites, hein, quand même, c'est notable. Gigi, t'as du blé? On a tellement des conversations. Non, j'en ai pas encore. On a tellement des conversations. Les gars, il est passé où le blé? Tu veux le redire une dernière fois, Creepy ou pas? Non, ça va. Y'en a pas là du blé? Alors. Bon, je crois que j'ai assez du blé, mais c'est plus en vrai, donc c'est le problème. Blow! Hop là. Donc allez tous voir le live de Mshir, même si ça sert à rien. On fait juste placement de produits. J'ai aucune vie, j'ai personne qui regarde mon live. Mais c'est pas moi. C'est trop triste. Mais tout le monde regardera tes épisodes comme d'hab. Ah oui. Et comme d'hab, on va nos épisodes, mais je vous dis, on va avoir notre stand à la DCDP. Non, vous êtes pas sérieux, y'a déjà la nuit. Bah ouais. Léo, c'est cool. Quoi? Tu rigoles, mais c'est possible, hein. on peut être en tant qu'intervenant. Hein. Bien sûr que oui, on se fait serveur breton, mec. On s'appelle qui veut des braises, et voilà. Qui veut des braises? Qui veut. Non, on l'appelle qui veut des pains Paul, mec. C'est chez moi. Et qui veut des pains Paul, mec, et c'est bon, on est bon. Hein. On change pas de nom, mais on change pas de truc. Bon, allez. Les gars, est-ce qu'on en parle de la canne à pêche que je viens déjà de récupérer en pêchant? Alors, est-ce qu'on en discute ou pas? C'est où la sortie de la mine? Eh oh! On rentre! J'y boule là! Bon, écoutez, moi je vais m'occuper de l'organisation pour le moment des coffres et tout. Ah, papa! Voilà, quand Zeptuna s'occupe de quelque chose, de toute façon on sait que c'est la merde, donc. C'est le connard! Ah bon? Je vous rappelle que la map numéro 1 n'a pas eu de problème jusqu'à ce que quelqu'un d'autre s'en occupe. Mais après j'ai... Et en l'occurrence, cette personne s'appelait... En l'occurrence, la personne dont il parle n'est pas présente ici et s'appelle X-Frix. Donc de... je voudrais ajouter... Et moi j'aimerais lui faire une dédicace Léo. À X-Frix. Merci Léo, encore une fois. Merci X-Frix. Merci X-Frix. Parce que sans lui... Bah voilà. Ah mais moi je suis pour que Mister 28 y revienne. T'es ouf toi ou quoi? Et on sait très bien que t'es pas pour en plus. Okay. Et Marion. Marion, je veux qu'il revienne aussi Marion. J'ai l'impression qu'on est sur la lune parce que la gravité est un peu à chier. Merci beaucoup. Putain, j'ai plus de chance. Eh les gars, on trague le CD ou pas? Allez. Non, bah il a explosé. D'accord. Tac tac. Allez. Si vous voulez les répliques d'Antoine Daniel, je les ai alors. Oh là, mais dégage. Allez. Je veux comme ceci. Hop, allez, vas-y. On était tous sauf des bones. C'est con. Des bones. Des bones. Moi je vais être dans la. Moi je pense que je vais être dans la World Border. Je vais juste faire. Des galeries souterraines, ça va être assez marrant. Ça. On est en live. Je suis en live. Il y a personne sur mon live. Bonjour les gens. Bon, Zeptuna. Bonjour. C'est qui? Bonjour. C'est la sœur de Zeptuna. C'est Kitty Star. C'est Kitty Star. Kitty Star aussi très notable. Kitty Star. Quelqu'un de très présent sur le serveur pendant la première map. Hein. Elle a fait une maison digne des plus grands. Super belle. Une maison digne de Valérie Damido. C'était au moins la Valérie Damido. Ça, c'est hein. Quelqu'un qui se fout ta pop. Y'a une de Nige. Tu l'as tué. Ils sont où les fourbes? C'est moi. Ils sont avec les fourbes. Parce que c'était la bonne blague. Moi j'ai. Mais j'étais très perdu dans la. J'ai plein de poissons.
Mais bien. C'est normal que le bonhomme de neige il faisait pas de neige. Oh, je t'ai perdu. Flo, j'ai plus de pierres. Ils sont là les. Hein? Ils sont là les. Tu dois pas être dans un biome adapté. D'accord. En tout cas, on est dans un biome où on va pouvoir trouver de la. Oh, on peut pas faire que les poissons cool. Les gens là, c'est bon, la salle est assez grande là. Ils sont où les faux? Avec les faux. Creepy, c'est bon. Creepy, c'est bon, merci. Je peux me. C'est bon. Continue à miner. Oh les faux. Ils sont. Tu veux que je la refasse, MJR? Attendez, on soit bien clair. Ils sont où les faux? Est-ce que c'est clair? Eh, dis mal. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. C'est le Valium. Ah putain, j'ai cru que j'allais être le KS. Alors, c'est cru, une mauvaise situation des Dimalou que j'ai vu. Mais oui, c'est clair. Allez, c'est la congolexicomatisation des lois du marché. La congolexicomatisation des lois du marché. J'ai trouvé une putain de grosse. Le premier savant de la République démocratique du Congo et Dimalou. Il y en a qui veulent venir, j'ai une putain de grosse. Ce qui veut dire imposer la force vers le Valium. Ça veut dire imposer la force vers le Valium. Qui c'est qui mine le savoir. Qui c'est qui veut venir miner? J'ai trouvé une gigantesque grotte. Les gars, Flo. Est-ce que si je remonte, j'aurai de la bouffe ou pas? Non. Parce que j'ai besoin de bouffe là. C'est qui l'a mis la vidéo? Oui, il y a de la bouffe. Ceux qui minent, cherchez mon pseudo. Tigi. Oui. Yes. Eh, c'est quoi ce son? Non, éteignez, c'est... Arrête. C'est quoi ce bruit, là? Bien, regarde. C'est qui qui mine? Beaucoup de choses, incristallisées, imposées, intentionnées, sans retour de la République démocratique du Congo, pour que nous puissions avoir la Congo... Qui est-ce qui mine, normalement, avec moi? Moi. Viens, moi. J'ai mieux creepy, hein. Venez, arrête ça. Venez dans la descente de la mine, j'ai trouvé une gigantesque grotte. Ouais, attends, j'arrive. Eh oh! Je vais juste me faire des torches et. On s'en va au boulot! Pardon, Praco! Alors attendez, elle est où la méga grotte de la mort? Of the Dead, tu la mort? Bah attendez, venez, suivez Creepy et moi. Allez-y, moi je vous protège. Are you ready? Yeah! Are you ready? Fais gaffe, il y a un blood normal. Ah, au fait, j'ai une annonce, Choupi viendra à partir de 23h sur le serveur. Ok! À partir de quoi, 23h? Ouais. Il y en a une qui a envie de se faire. Allez, on y va. Ah, Biggie, t'es sérieux? Ouais, c'est Biggie là qui en prend le chien. Eh, s'il vous plaît, vous remarquerez beaucoup de. T'as mis une explosion. Ciao, Praco. Au revoir, Praco. Au revoir, Praco. Et à ton stuff. À 2015. Fin 2015. À 2015. Non, à fin de. À mi-2016. Ouais, surtout quand t'auras passé tes épreuves, hein. Waouh! Non, Tigi, tu descends pas là! C'est ma base! C'est l'endroit où je mine! C'est l'endroit où je mine! Non, les gens! Ne descends pas à l'endroit où je mine! Je fais des choses très bizarres! Ah, Mshir, ne descends pas à l'endroit où je mine! Strike et Creepy, vous avez pu ramasser mon stuff ou pas? Stop! Non, enfin attends, je veux que je le ramasse! Stop, Mshir! Ne descends pas à l'endroit où je mine! Parce qu'il y a une diam, c'est ça? Attends, mais. Non, y'a pas de diam! Y'a pas de diam! On reste là! Jinoku, la première! Mais les gars, je suis. Mais laissez mon trou, laissez-moi faire un peu. Zombie. Putain. Non mais vous êtes relou. Moi je suis pas allé dans vos mines à vous. Non, t'es pas allé dans nos trous, bien heureusement. Non bah je suis pas allé dans vos trous à vous, ouais, voilà. Bah ouais, on est fort. Bon, allez, attends, je fous juste le stuff. Non mais voilà, ça se fait pas. Ah non, y'a pas de diamant, effectivement. Y'a pas de diamant, c'est pas le diamant, je veux juste continuer ma ligne. Fais gaffe, Creeper. Ah merde. On en parle. Je tiens, ce que vous remarquez, mon magnifique combo de mort. On en parle de mon livre enchanté. Ah, mais une chance que je suis pas mort. Et la race de fer. T'es sérieux que tu joues. Qu'on en parle. Oui. Non, mais. 11 morts. Ça explose déjà partout, quoi. Ouais, mais on a trouvé une énorme grotte là. Fais gaffe, il y a du squelette en face. Je peux vous. Flo. Flo, amène-moi de la bouffe, s'il te plaît. Vite. Alors. Dans les fours. Non, mais oui, mais faut que tu viennes parce que si je suis plus que 0,5. Les gens tout aident à. J'ai plein de levels, viens, vite. Mais on n'est pas encore en hardcore, c'est bon. Mais on est en hardcore là, non. Bien sûr que non, vous croyez franchement qu'on allait se mettre en hardcore dès le début? Attends, vous avez vu que les gens comme des merdes. Je croyais qu'on était en hardcore. Bien sûr que non, on est en easy. J'aurais pu continuer de. On n'est pas en easy là.
Sponsor. Ah non, normal, pardon. Ah ouais, heureusement. Du coup, on est en... Mais mets-nous en hard, là. Bah oui, c'est bon. On est... On peut mourir, c'est quoi la partie? Allez, mets le serveur en hard, fou. On veut l'hard. Attendez, y a... On en parle de mes 12 morts. Non, t'es nul, dégage. J'ai déjà mort. Par contre, t'as du bois pour faire des torches, parce que j'ai pas de torches. Non, j'ai pas de bois. Non, non, remets le normal, vite. On est en hard. Non, connard, je t'ai dit. On est en hard. Non, mais deux secondes. Attention, on a tué. Flo, fais pas le bâtard, deux secondes. On est fini. Oh, les morts commencent à fuser, ça. Non, mais allez, mais normal pour le moment. Ça, non, mais attends, je sors, je prends ma bouffe et après c'est bon. Attends, mais c'est juste que j'ai jamais pris de la bouffe. Je reviens. Stuff, C'est passé quelque chose, tranquillement. Je reviens. Oh merde. Oh putain. Oh, le vieux. Mauvais coup de chance ever. Et Tigi, t'as vu le creeper au milieu? Ouais, j'avoue, il se baigne. Fais gaffe à ce qu'il arrive de ton côté en fait. Les gars, je reviens. Quelque chose depuis que je suis parti ou quoi? J'ai une image. Oh merde. Il est pas dans mon trou là. Non. Tigi. Oh putain, t'es sérieux? C'est qui fait ça? Strike, voilà, attends, j'ai avec quoi? T'avais la perle de l'Ender. N'importe le blé, quoi, mec. Pourquoi il a explosé? Le lapin. Parce que bah, je suis allé trop près. Bah, donne-moi déjà les armes. Ah, regarde, le trou, est-ce qu'il sort? Il sort de. Oui, c'est moi. Est-ce que j'ai pas entendu dire, t'as le temps de ramasser mon stuff ou pas? Putain, mais elle est où notre base là? J'ai pas compris là. Et ça. Elle est là. Et la bonne part. Non, mais depuis tout à l'heure, je cherchais la base et j'avais une pioche aussi. Ouais, c'est ça, attends, je la donne. L'arc qui. Non, mais où la base où la base Tigi? Alors la base non, ferme pas. Je suis comme bon, les pierres, je pense. Voilà. Il était une fois. Bon, Bon, attends, désolé. Bah, mais arrêtez de faire vos soeurs, sérieux là. On voudrait être tranquillement. Combien j'ai de viewers sur mon live? Quoi? Yeah. Bonjour. Salut les gens. Bonjour. Salut Pete Paul. Si vous voulez apprendre comment être un bon noob, suivez Piggy. Level 9. En fait, en une leçon. Alors moi, en une leçon, vous pouvez apprendre comment être un gros noob. J'ai récupéré 20 et c'est j'ai touché à rien. Pour info, j'ai déposé tout ton stuff dans le coffre. Bon bah j'ai une émeraude. Et oh. Ah, tout ce que j'avais. Quoi. Je dé. Allez, Jean, franchement, il va falloir reboucher les trous. Ta femme te le dit souvent. Ça débarre. Il en a pas, c'est un homme. Alors je vais faire cuire le bec. Je fais cuire le fer de la moule. J'en prends 4 et je vais aller les foutre dans le coffre. Bien, je redescends en minage. A life, petite information technique. Tu vas pas pêcher dans un bassin qui fait moins de 2 de haut. Bah je vais pêcher. A life, viens pêcher à côté de moi. Ah bah, ça va peut-être changer, les mécaniques vont changer. Attends, moi je vais. Alors je vais faire. Viens à côté de moi, viens pêcher avec moi. Ah, j'ai un loup. Je suis en face, j'ai la rivière. Coucou. Ah, bonjour. Regarde, je... non, regarde, mais je raté. Moi je me tire. Putain, mais putain, sérieux. Piggy, comme. J'ai trouvé de l'émeraude, ça sert à rien. La Piggy n'en peut plus ce soir. Là. Super Piggy Family Farm. Comme un porc. C'est ça. Ah, oh, cette. Report pour Piggy. Non, mais surtout, report pour blague de merde là. Report. Parce que Super Piggy Cam. Enfin, Cam. Enfin, bah, je ferme ma gueule. Les gars, j'arrive même pas à raconter des blagues, c'est bon, laisse tomber. Mes oreilles. J'ai une autre bûche. Ça c'est un label. On a parlé d'Annabelle. Quelqu'un peut dire à Valérie Damido d'arrêter de bricoler?
Oh Valérie, arrête. Merde. Ah ouais, t'as. Y'a de l'or ici. Oh ouais mon gars. Oh ouais mon gars. J'ai entendu un quart du film tellement les gens ils gueulaient quoi. Bah, c'est sérieux. Parfaitement, je suis top d'accord avec vous. Tu sais, j'ai un pote, il est allé voir Annabelle avec des potes à lui et des meufs. Devine qui sont sortis les premiers de la salle. Les mecs. Bah, les mecs. Eh bah ouais. Oh mon dieu. Ah, parce que non mec, moi je t'explique, moi je t'explique. Ah, si je... Tu sais que moi franchement, et juste les gars, c'est le gros plan drague d'aller voir un film comme ça. Est-ce que tu pèses? Les gars, vous imaginez même pas comme c'est le gros plan drague parce que ce que vous faites. J'ai besoin d'aller au cinéma pour faire ça. Ah non mais mec, non mais j'étais sûr que la meuf. Sûr, avec ta gueule, tu fais peur. Non mais Léo, il y a un moyen beaucoup plus simple. Tu l'invites au ciné, mais chez toi. Comme ça, t'as le lit à côté. Et tu la défonces. Allez, t'inquiète gros, t'inquiète. J'ai mon appart. D'ailleurs les gens, j'ai mon appart dans quelques jours là. Enfin ma maison plutôt avec des amis. Et dès que j'ai ma maison, je fais des lives tous les soirs. Vous allez voir, ça va être très sympa. Juste chez toi Flo, parce que sinon je vais te défoncer. Si tu commences à me couper la parole, je vais te frapper. Et donc je fais ma maison, je vais la voir, je vais avoir une co de ouf. Donc allez les gars, vous allez regarder mes lives. Vraiment. Léo, tu vas enfin pouvoir inviter la fille qui te fait rêver. Non, je peux pas. Putain, mais va aider ta vidéo, tu sais, mec, qu'à 30 minutes du film, je suis sorti. Sérieux, mec? Ouais, c'est. C'est vraiment hardcore, Piggy. J'aime jouer avec les poupées. Ah, c'est vraiment hardcore, Piggy. Genre, t'amènes Pédobert dans ce film, c'est pas juste avoir peur de la poupée, c'est la poupée qui va avoir peur de Pédobert. Ouais, ça arrive, ça non, fait. La poupée va faire genre. Oh mon merde! Mon mari va arriver, hein! Attention, mon mari va arriver! Rien à pas, le mec il sort derrière avec un gros couteau, il lui enfonce dans le ventre alors qu'elle était enceinte! Où est ma gueule? Je suis. Qui sait qu'il y a une pioche en fer? Il a tué deux personnes pour le coup! Moi j'ai une pioche en fer! Et Piggy il a voulu faire le mec vénère, mais. Le mari il arrive, il fait une prise de cash en mode. Undertaker! Y'a plein d'or en bas là dans la grotte! C'est vrai mystérieux, t'es le mari! Ah mais c'est ça. Il a fait le spire de Edge. Six one night. Ok, je crois qu'il y a un qui a bugué. Le man. Mano Maye. Oh, de la redstone. Pour les peu de viewers qui regardent, n'allez pas voir Annabelle. Il y a une Annabelle qui regarde. Bon allez les gars, par contre je sais pas si c'est qui. Oh le sérieux. Mais Flo. Ah je me disais aussi parce que là franchement tu vas rester pour la restante. Je déconne, je vais pas me coucher parce que demain matin il y a à 10h15 de faire déjà. Oh ma question. J'emmerde tous ceux qui sont en vacances. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, j'ai entendu. Non. Parce que demain matin les gars à 10h15, j'espère que vous serez sur le TS parce qu'il y a la finale. Moi ouais, 10h15 demain matin, non, je suis pas là, je suis au boulot à 10h15 demain matin, Flo. Moi je reviens pas avant lundi. Et moi demain matin, je tourne une vidéo de vélo. Ouais. Enfin, je suis pas... Et moi je reviens pas avant lundi. Moi demain je suis pas là. Et bah, moi, lundi j'ai cours. Je suis très drôle. Strike. Il peut faire là. Quoi, Lucas. Lundi, moi, et ben je me lève pas. Va te faire foutre. Moi lundi, je vais en cours aussi. Je me lève à 6h. Just et ben moi lundi. What? Non mais arrêtez les gars, 360 sérieux. 360 euros. Eh, il m'a visé avec une. Ah bah c'est bien, les premiers kills, ça tourne bien, disons. Il visait avec une flèche, et ben j'encule. Voilà. Il y a pas moi j'aime piquer un cul. Y'a pas qui veut le mettre un pas mort. Je peux pas aller plus loin. Bon apparemment la map ne veut pas que j'ai de diamant. Moi non plus j'ai pas de diamant. Y'a plus de bois. Mais est-ce que quelqu'un est à la couche 11? Y'a plus de bois. Moi je suis à la couche 11 depuis 10 ans là. Couche 10 moi. Je fais des allers-retours depuis tout à l'heure. Genre faut couper du bois. Mais attends j'ai du bois. Non mais j'ai du bois. Mais pourquoi on casse le coffre? Et foutez le coffre. Allez du diamant un peu. Ouais j'ai fait le premier enclos à moutons. Pourquoi on a détruit? Ouais. Pourquoi? Là la World Order elle a un grand dessus. J'ai fait le premier enclos. Personne est connecté. Non mais sérieusement. Personne est connecté, est-ce que ça a une montre à l'œil ou. Non mais stop là.
Salut qui se passe. On les a déplacés là. Vous il faut du bois, il faut du bois. Allo, il faut des meufs, parce que c'est vrai qu'il y a des cons. Entre testostérone là. Putain, entre testostérone, gamin. Ouais. Que ça va, c'est la on est, bon, on est entre couilles, les gars. Que personne est connecté. Et dire que machin est pas encore là, putain, quand il sera. Qui mais il vient pas sur le serveur. Il vient pas. Quoi voyageur, bon, pourquoi t'es en train de faire. Oh, pardon. C'est quoi ça? Machin, il vient pas. Attends, je vais m'arranger avec lui. Mais il a pété un câble, ce matin, on sait pourquoi. Quoi? Il a fait quoi? Ouais. Genre, non mais on va pas en parler ici, on va pas en parler ici. Si si, attends, moi je suis pas au courant là, il se passe quoi? Ouais, on parlera après, on parlera après, ouais. Bon. Ah, du diamant, c'est qui aura le premier? Ouais. Eh bah non, mais ça marque pas. Ça marque pas dans le chat. Attends, Flo, viens maintenant, c'est un chez pareil, j'ai envie de savoir. Ça marque pas. Non mais... Bon alors... Léo, ça marque pas parce que t'as pas crafté de pioche. T'es sérieux? Alors moi, j'ai pas crafté de pioche en quoi? Je fais des placements pour eux, Faut crafter des pioches en quoi? Placements pour tout le monde. Bah j'en ai déjà crafté moi. Oui mais t'as pas eu l'achievement Mais il doit te manquer un achievement. Hein. Pourquoi je l'ai pas eu? Mais attends. Ça fait bah tu trouves Taking Inventory. Que... Attends mais toi je vais aller voir, attends. Eh tout le monde, je fais des placements. Le fer quand tu le tiens dans un four, pas dans un coffre. Non mais je l'ai mis dans un four, t'inquiète. Allez placements pour tout le monde, c'est parti. Biggie, tu voulais pas être à 20 morts? Si, vas-y, achève-moi! 20 morts. Oui! Attends, en fait, il a même pas eu le Getting Wood, je crois, mon truc. Hein. Ton perso, t'es sérieux? Ouais, c'est chaud. Bah, ramène déjà les diamants, on en parle. Là, tu vois, comme la nuit va tomber, je vais gagner plus 5 morts en fait. Non, le diamant il va être pour moi, tu sais. Un moyen 5 morts, enfin, lui. Alors voilà. Je vais faire une table d'enchantement avec le diamant. Oh, moi, je vais faire une roue en diamant. C'est ça. C'est tellement useless quoi. Je fais une ou en diamant. C'est tellement la chose la plus inutile. Oh, Alors je fais des sticks. C'est le mec, son métier c'est être fermier, tu sais, sur Minecraft. C'est de faire des choses chiantes avec des trucs. Ah, t'as dit fermier, j'ai cru fermier, moi j'étais what. Eh mais toi, mais tu prends mal des choses hein. Faut arrêter là. Voilà, j'ai fait des plastrons pour les gens. Ça marche pas là. Alors voilà tout le monde, prenez un plastron, j'en ai pas. Ouais, la ah ouais, je suis en dessous du spawn, bah je peux pas creuser plus loin, c'est bizarre. On est pas OP, faut être OP pour plutôt OP au pire. Bah non, je me suis déhop en caméra parce que je trouve que normalement on devrait pas être OP, donc je me suis déhop. Par contre là c'est pas le moment de jouer à Annabelle en fait. Ok. Oh putain, arrêtez les gars, là. Ah, j'ai plus personne sur mon live, yeah. Boum. Bon bah en tout cas le mec il est content, c'est yeah. Bon moi les gars, les gens, je vais vous laisser pour ce stream. Je laisse pas les gens sur le TS, hein. Je vais juste finir le stream là. On se retrouvera sur la chaîne pour le LP de QVDP 2.0. Allez, ciao tout le monde, c'était super Léo. On se retrouvera un autre jour. Venez sur le chien, venez.